Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ma vidéo d'aujourd'hui, ça va être un petit haul beauté Leclerc ainsi qu'un petit haul de produits que j'ai acheté en pharmacie. Alors je suis allée donc à Leclerc donc cet après-midi, je suis rentrée donc il n'y a pas très longtemps, ça fait à peu près 1h30, 2h que je suis rentrée et je n'avais qu'une seule hâte, c'était de me démaquiller, prendre ma douche, et me mettre en pyjama parce que je ne supportais plus du tout donc mon maquillage. Donc là je suis en pyjama, j'ai pas voulu me remaquiller pour la vidéo parce que honnêtement je n'en avais pas du tout envie. Je me suis dit bon, ce soir je vais faire une vidéo où je ne suis pas maquillée, je vais laisser en fait donc ma peau respirer donc à l'air libre. Donc je me suis mis juste du gloss. Voilà, c'est tout ce que je me suis mis. Donc là, ce soir, vous me voyez au naturel. Alors, je vais vous montrer donc les achats que j'ai fait donc pour ce haul beauté. Alors, j'ai pris donc comme d'habitude, je me suis pris une boîte de masques. Donc, ce sont des masques en tissu. Et à chaque fois que je vais donc chez Leclerc, je me prends toujours des masques. Alors, je voulais me prendre des masques blancs, j'en ai pas trouvé. Donc là j'ai pris donc des masques en couleur, donc ce sont des masques bleus en tissu et ils sont très bien ces masques là, je les aime bien et ce sont des masques qui n'étouffent pas et en plus de ça donc ils sont assez légers. Alors achat suivant, alors j'ai pris un petit paquet de coton disque, donc là ce sont des petits cotons que je me sers généralement donc pour me démaquiller les yeux. Alors c'est de la marque Inel. Ensuite, alors j'ai pris donc là c'est pas pour moi, c'est pour ma fille. J'ai pris donc des lames de rasoir de la marque Gillette Vénus. Alors la particularité de ces lames de rasoir, ce ne sont pas des lames classiques qui vont vous servir. Je pense que c'est pour 2-3 utilisations. Alors je sais pas personnellement parce que moi je ne me rase pas du tout les jambes au rasoir en général. Je me sers plus d'un épilateur électrique. Alors ma fille donc elle a le rasoir, elle m'a demandé de lui prendre donc les recharges de ce rasoir. Alors la particularité de ces lames, ce sont des lames qui vont durer plusieurs semaines. Donc ce sont des lames, je pense, qui sont quand même de qualité. En plus de ça, d'après ce que j'ai lu sur la boîte, sur chaque lame, il y a une espèce de gel et qui est parfumé, d'après ce que j'ai compris, à la vanille. Alors apparemment, ce sont des lames qui durent quand même plusieurs semaines, donc d'après ce qu'elle m'a dit, donc elle va tester. Alors c'est vrai qu'à l'achat, c'est assez cher. Dedans, il y en a 4, et je les ai payées un peu plus de 12 euros. Alors c'est vrai que c'est cher. Mais apparemment, d'après ce que m'a expliqué ma fille, c'est que ce sont des lames qui vont vous durer plusieurs semaines et je sais pas, même plusieurs mois. Donc, elle me dira par la suite, à voir. Alors, achat suivant. Alors, j'ai pris, alors je pense que c'est nouveau, de la marque Sanogil. Donc, j'ai pris un dentifrice aux huiles essentielles. Donc celui-ci je le connais pas du tout, donc c'est un dentifrice soin huile, donc je le testerai et puis je vous en parlerai peut-être par la suite. Alors achat suivant, alors j'ai pris un shampoing donc de la marque Garnier Fructis. Alors c'est pas pour moi, donc c'est un shampoing fortifiant qui purifie et hydrate. Alors, vous avez dedans donc des agents purifiants plus de l'eau de coco. Donc, c'est un shampoing pour les racines grasses et pointes sèches. Donc, celui-ci, je ne lui ai jamais pris. Ben, elle le testera et puis bon, elle me dira. Alors, j'ai pris avec le shampoing de la marque Elsève de L'Oréal. Alors, il va s'agir du démêlant. Donc, c'est un après-shampoing qui est aux 6 huiles de fleurs rares et c'est pour les cheveux secs.
Alors ensuite, j'ai pris pour moi cette fois-ci un déodorant Ushuaïa, pardon, qui est parfumé à la vanille. Celui-ci, je ne l'ai jamais pris et c'est vrai que j'aime bien la vanille. On continue avec les déodorants. Je me suis pris un petit déodorant bio de la marque Mon Savon et celui-ci, il est parfumé à l'aloe vera et pointe de vanille. Je l'ai senti, il sent super bon. Ensuite, j'ai pris pour ma fille un petit déodorant bille de la marque Nivea. Ensuite, dernier achat que j'ai pris donc à Leclerc, je me suis pris donc ce joli panier. Alors à la base, c'est un panier pour mettre les fruits, mais moi comme les fruits, je n'en achète jamais, j'en mange jamais, ça va être plus les fruits secs que je mange. Et comme je l'ai trouvé trop joli, ce panier, qui m'a beaucoup plu, je m'en servirai, je pense, pour mettre mes produits soins, mes produits cosmétiques, je mettrai un peu ce que je voudrais. Et il est très joli, il est tout, la couleur c'est un peu cuivré et j'ai trouvé qu'il était assez original, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Alors pour mes derniers achats, pour mon, pardon, j'arrive plus à parler, je suis trop fatiguée ce soir. Alors là je vous ai montré donc tous mes achats donc de Leclerc. Maintenant je vais vous montrer donc les produits que j'ai pris en pharmacie. Alors j'en ai pas beaucoup, donc j'en ai pris que 3. Alors de la marque CeraVe. Alors les produits que j'ai pris, c'est uniquement que pour ma fille qui me l'a demandé. Donc c'est de la marque CeraVe. Alors il va s'agir d'un baume hydratant pour les peaux sèches et très sèches. Alors c'est un gros format de 450 grammes. Alors c'est une marque que ma fille a entendu parler donc sur les réseaux sociaux. Alors à la base c'était pas du tout celui-ci qu'elle devait se prendre, puisque dans cette même gamme-là, ils en ont un autre pour les peaux rugueuses et c'était celui-ci justement donc qu'elle voulait se prendre, mais comme il n'y en avait plus, donc elle m'a dit donc de prendre celui-là, donc elle le testera et elle me dira si elle l'a aimé ou non. Alors ensuite, toujours de la marque CeraVe, donc je lui ai pris donc une crème hydratante pour le visage et c'est pour normalement c'est pour les peaux sèches. Je suis en train de regarder. Ah oui, voilà. Donc c'est pour les peaux normales à sèche. Donc c'est un format de 52 ml. Donc elle m'a demandé de lui prendre celui-ci. Et apparemment, donc, c'est une crème qui est sans parfum et non comédogène. Donc, c'est une marque que j'ai entendu parler moi aussi sur les réseaux. Apparemment, c'est une très bonne marque. Donc, elle ne l'a jamais testée. C'est pour ça que ma fille m'a demandé donc de lui prendre donc ces produits-là. Alors, ensuite, le dernier produit, mais qui est d'une autre marque. Donc, c'est de la marque Bioderma. Alors, il va s'agir d'un concentré lissant qui va réduire les imperfections, qui révèle l'éclat et c'est pour les peaux mixtes, grasses et à imperfections. Alors, c'est une nouveauté qui est sortie donc au mois d'avril de cette année puisque ma fille, elle m'a demandé qu'elle voulait que je lui prenne donc un soin qui traite justement donc son acné. Et donc la pharmacienne, donc elle m'a conseillé donc ce soin-là donc pour elle. Et c'est un format de 40 ml. Donc là, elle va tous les tester. Je pense qu'elle m'en reparlera si ça lui plaît ou non. Alors voilà, bah écoutez, je vous ai présenté tous mes produits. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors si c'est le cas, eh bien merci de mettre un petit pouce, de vous abonner, c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas m'en... J'arrive pas à parler, je suis trop fatiguée. Alors je reprends.
et de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors là, par contre, je vais aller manger. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est pour ça que je continue. Alors généralement, lorsque je fais donc mes courses donc à Leclerc, puisque j'ai pas été à Leclerc uniquement donc pour acheter tous ces soins là, mais j'ai fait en même temps donc mes grosses courses. Et lorsque je fais mes grosses courses, généralement le soir je ne cuisine pas, donc là je vais aller manger. Donc je me suis pris une petite salade de la marque Sodebo ainsi qu'une pizza que j'ai pris à quoi je l'ai pris ma pizza tartiflette, voilà. Donc là je vais aller manger. Sur ce, si vous êtes à table, je vous souhaite un bon appétit. Et si cette vidéo, elle vous a plu, eh bien, merci de la liker, de vous abonner. C'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et en attendant, je vous fais mille bisous. À bientôt !